Bon, alors, ce nouveau là, des crevettes, comment est-ce qu'on va dresser ça? Dans une assiette marron, moi je trouve que c'est pas mal. Comme ça, ça met un peu en relief les différents produits. L'ambiance est chaleureuse. Chez 4 épices, la cuisine est conviviale, à l'image des deux maîtres de maison, Geoffrey et Arnaud. L'école de cuisine 4 épices voit le jour en 2007, sous l'impulsion de Geoffrey Vuillermé. Auparavant, il travaille pendant 15 ans au sein de différents restaurants de la place genevoise. Puis un arrêt soudain, plus de restauration, une envie de passer à autre chose. La passion et l'envie de créer son business, c'était il y a 10 ans, au détour d'une discussion. Ça a surtout été une rencontre très anodine, une amie qui avait invité ses clients à Berne dans un restaurant qui faisait aussi école de cuisine. Elle m'a raconté cette soirée avec tellement d'enthousiasme et tellement d'étoiles dans les yeux que je me suis dit, bon, ils ont dû quand même passer une sacrée soirée pour qu'elle soit aussi dithyrambique à ce sujet-là. Donc du coup, je sais pas, c'est comme si on avait mis une petite graine comme ça. Une petite graine qui a depuis bien germé. Arnaud Sablérol est rentré en tant qu'associé après le départ de l'ancien partenaire de Geoffrey. Des compétences et des goûts complémentaires, Arnaud donne un nouvel élan avec l'ouverture d'un restaurant le midi et bar à vin le soir. Avec Arnaud, on a toujours pensé l'établissement comme un endroit où nous on aimerait aller. Donc c'est vraiment ça qui nous motive. Et puis, en ce qui nous concerne, l'accueil et l'atmosphère et le contact avec la clientèle est très important pour nous. Donc c'est vraiment ce qu'on veut essayer de recréer ici. Un duo bien rodé qui aspire désormais à ouvrir un second établissement avec une ambiance plus musicale, un défi mesuré grâce notamment aux années d'expérience. C'est plus facile aujourd'hui parce que l'expérience est dans, on a une autre vision de la création d'entreprise que j'avais pas il y a 10 ans, évidemment. C'est plus confortable, ça permet d'être un peu plus audacieux, je pense. On a l'impression d'ouvrir quelque chose de plus grand dans un endroit atypique, un espace atypique, avec de nouveau de la restauration, du bar, et puis en plus un peu de divertissement avec la musique. En pleine réflexion, les deux partenaires ont donc plus d'un tour dans leur sac. Des idées, de nouvelles envies qui boostent le créateur Geoffrey et son partenaire Arnaud.